Bonjour à tous et bienvenue sur TomTom Max pour le test du TomTom Urban Rider, un GPS uniquement dédié aux motards. Nous allons commencer par détailler ce GPS. Le TomTom Urban Rider reprend la même coque que le TomTom Rider 2e édition. Ses dimensions, hauteur, largeur et profondeur sont relativement importantes. C'est un look d'ancienne génération mais qui reste tout à fait agréable. Ce GPS dispose d'une diagonale d'écran de 3,5 pouces. Sous le GPS est dissimulé un petit clapet dans lequel se trouve un mini connecteur USB et une LED. Le mini connecteur USB va permettre de recharger la batterie interne du GPS. Le mini connecteur USB permet aussi de synchroniser le GPS à l'ordinateur pour faire les différentes mises à jour, que ce soit logicielles ou cartographiques. À gauche de ce connecteur, nous avons une petite LED qui permet de voir l'état de charge du GPS, verte si le GPS est entièrement rechargé, orange si c'est encore de charge. Toute cette connectique est donc protégée par un petit clapet étanche. À droite du GPS se trouve une petite fente pour y fixer une dragonne d'ailleurs qui n'est pas fournie avec le GPS. Bon, ce genre d'accessoire en tout cas le mérite de nous rassurer, parce que le système de fixation, comme vous allez le voir, est de très bonne qualité. Nous trouvons aussi le bouton marche-arrêt. Celui-ci est assez difficile à manœuvrer, il faut appuyer relativement fort. À l'arrière du GPS, nous avons la connectique qui sert éventuellement à recharger le GPS si vous disposez du support optionnel de moto, car ce GPS n'est pas fourni avec un support permettant de recharger le Urban Rider. On remarquera aussi l'absence d'un haut-parleur qui permet d'entendre les instructions de navigation. Pour ce faire, il faudra avoir le kit oreillette fourni avec le Urban Rider Pro ou en acheter une en option. Ce GPS est fourni avec différents accessoires pour le montage sur la moto. C'est la société américaine Ramoot qui s'occupe de fournir ces différents éléments. Plusieurs montages seront possibles, soit sur le guidon, par l'intermédiaire du U, soit sur l'étrier de frein. Le montage sur la moto est une opération extrêmement facile. Pour les guidons à petite section, une cale viendra se placer dans l'étrier en U. On viendra y loger ensuite le support à boule. Deux écrous viendront finaliser le montage. Avant serrage, on pourra le placer de haut en bas, comme bon vous semble. Un autre type de montage est possible sur l'étrier de frein. On enlève alors les deux vis déjà existantes et on viendra y placer les vis fournies dans le kit du TomTom Urban Rider. Revenons à notre montage sur la moto. Quelques tours de clé à cliquer suffiront à avoir un montage solide et très fiable. Une fois le support solidement fixé au guidon, nous venons y loger la pince Ramoot pour obtenir une liaison rotule. Cette liaison nous permettra de pouvoir bouger le support et le GPS dans tous les sens. Ce type de liaison rotule permettra d'avoir l'écran du GPS parfaitement dans l'axe de vision du pilote. Ce support Ramoot est vraiment excellent puisqu'il permet d'avoir un montage d'une excellente qualité, très sécuritaire et sans vibration, même à des vitesses élevées. Le montage du GPS sur son support est une opération extrêmement facile, il suffit de l'encliqueter. Ce montage est fiable et sécuritaire. Nous sommes maintenant prêts à rouler. Nous allons faire une planification d'itinéraire. Premier constat, que ce soit avec des gants d'été ou d'hiver, il est extrêmement difficile de saisir une adresse. C'est même d'ailleurs quasiment mission impossible. Il faudra enlever les gants et tapoter avec le doigt pour saisir l'adresse. Alors petit conseil, essayez de vous munir d'un stylet qui sera extrêmement pratique avec des gants pour pouvoir justement saisir une adresse correctement. Sur les petits et moyens parcours, la rapidité de calcul d'itinéraire est tout à fait correcte. Par contre, sur les gros parcours, il n'en est pas de même, les temps de calcul sont beaucoup plus longs. La faute à des données IQ Route. Pour mémoire, l'IQ Route va renseigner le GPS sur l'état du trafic à une heure et une journée bien précises. En fonction de ça, il proposera différents itinéraires. Oh.
Tournez immédiatement à gauche. Ce GPS dispose d'un alerte radar, un simple bip sonore pour les radars TomTom ou une alerte sonore comme celle que vous venez d'entendre pour ceux de TomTom Max. En plus de l'alerte sonore, sur l'écran du GPS, vous verrez une icône matérialiser l'emplacement du GPS ainsi que la vitesse de contrôle du radar. De plus, ce GPS dispose d'alerte de survitesse. Lorsque vous dépassez la vitesse maximum autorisée, celle-ci va se mettre à clignoter en rouge sur l'écran du GPS, avec éventuellement ce bip sonore qui est désactivable. Fonctionnalité très intéressante du TomTom Urban Rider, l'ALG, l'Advanced Lane Guidance, qu'on peut aussi traduire par guidage avancé sur changement de voie. Cette technologie a pour but de vous simplifier la vie sur les changements de voie complexes sur autoroute. Une modélisation photoréaliste, 3 dimensions, représentant les différents panneaux qui s'affichent sur la route, va apparaître sur le GPS. Le panneau Shell était bien indiqué sur la route, on le retrouve sur l'écran. La voie empruntée est matérialisée par une flèche verte qui clignote. A noter que cette vue 3D est le reflet exact de ce que l'on voit sur la route. Une 3 voies plus une voie de dégagement. Dernier point, si l'Advanced Lane Guidance ne vous satisfait pas, un simple clic sur l'écran vous permet de revenir en mode affichage normal. Dernier point que nous allons détailler, et non des moindres, le recalcul d'itinéraire. En effet, c'est un point extrêmement important, si jamais vous vous trompez de route, le GPS doit être à même de vous recalculer un itinéraire alternatif dans les plus brefs délais. Nous allons volontairement ne pas suivre l'itinéraire proposé par le GPS. Au lieu de tourner à gauche, nous allons aller tout droit et nous allons contraindre le GPS à recalculer un itinéraire alternatif et nous allons chronométrer le temps qu'il lui faut. Plus les secondes défilent, plus les mètres passent. Au final, si le recalcul est trop long, vous risquez de louper une redirection possible. Dans le cas du TomTom Urban Rider, 16 secondes sont nécessaires pour recalculer un itinéraire, c'est relativement important par rapport à d'autres GPS. Nous arrivons au terme de ce test et c'est l'heure de la conclusion. Pour ce faire, donc, notre conclusion se fera avec Didier alias Titus et Jean-Mi60. Donc, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce GPS au niveau du support Ramout et du dispositif de fixation du GPS sur le support? Didier, qu'est-ce que t'en penses? Ben, on retrouve exactement le même support qu'on avait sur le Rider 2 qui a fait ses preuves. Il n'y a pas de très simple d'installation. C'est la qualité Ramout, c'est du solide, il n'y a rien à dire, pas de problème. Ça, le support vraiment, c'est béton. Ouais. Le problème quand même, c'est qu'on peut déplorer qu'il ne soit pas alimenté, quoi.
La personne qui aura plus de 4 heures de route à faire, la batterie passera dans le rouge, il ne pourra pas la recharger. Ou alors, il faut qu'il achète le support optionnel qui coûte entre 60 et 70 euros. C'est un peu dommage quand même. Jean-Mi, toi qui as beaucoup roulé aujourd'hui avec ce GPS, est-ce que tu peux nous dire si ça vibre ou pas, si ça tient bien, si tu n'as pas eu de déboîtement du GPS, ce genre de choses ? Aucun souci, ça tient très bien, aucune vibration dessus, nickel. Pour moi, c'est nickel. Bon. Donc ce support, en règle générale, pour vous deux, c'est plutôt une réussite. Ouais, Ramout, impeccable. Au niveau de la visibilité de l'écran, c'est un écran de 3,5 pouces, est-ce qu'il est suffisamment lumineux ? Est-ce que dans toutes les conditions, vous voyez bien ce qui se passe à l'écran ? À part le soleil dans le dos, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Et toi, Didier, un petit peu ? Ouais, moi, je peux comparer avec mon 920 quand je le mets dans un So Easy Rider. Et indiscutablement, la visibilité de l'Urban Rider est meilleure que mon 920 ou 930 dans le So Easy. Durant nos tests, nous avons remarqué que la rapidité de calcul d'itinéraire est relativement moyenne, avec le risque de louper une redirection. On regrette aussi que TomTom persévère dans son idée de menu simplifié. En effet, ces menus ne sont pas forcément adaptés à une utilisation moto, et notamment la première barre de menu, qui est tellement petite qu'elle n'est pas manipulable avec les gants. Idem pour le clavier pour saisir une adresse, c'est relativement problématique. Élément très positif pour les motards, les statistiques de trajet qui vous permettent de connaître un petit peu vos vitesses moyennes, vitesse maximum, sur vos parcours. Quelques très bons points pour ce GPS Urban Rider, la possibilité d'intégrer des POI, des passages à niveau dangereux, des zones accidentogènes, des radars autres que ceux de TomTom. On apprécie aussi particulièrement le Advanced Lane Guidance qui est une aide à la navigation sur autoroute, particulièrement appréciable. Mais aussi les alertes de survitesse qui seront certainement d'ailleurs désactivées dans le cadre d'utilisation moto. Alors pour donner une note à ce GPS, une note de 1 à 20, combien vous donneriez, Jean-Mi ? Moi, 15, entre 15 et 16. D'accord. Et toi, Didier ? Allez, je dirais 14. Quant à moi, j'attribuerai un 12 sur 20 sans oreillette Bluetooth et un 15 sur 20 équipé d'oreillette Bluetooth. En effet, un GPS de moto se doit d'avoir des instructions vocales pour avoir une navigation sécuritaire. Il est en effet impératif de rester concentré sur la route. Au final, nous avons un GPS qui offre des caractéristiques et des performances tout à fait standards, mais qui dispose d'un rapport qualité-prix tout à fait correct, 249 euros dans sa version France sans oreillette Bluetooth, 100 euros de plus pour avoir la version Pro avec oreillette Bluetooth Scala Rider. Bon, bah Didier, Jean-Mi, je vous remercie pour votre aide hein, sur ce test, hein, pour tous ces tests de roulage aujourd'hui. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau test sur TomTom Max. Pas de soucis. Au revoir. Bye bye.